Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de Dinazome Eleven Strikers. Pour ceux qui croyaient que c'était terminé dans le dernier épisode, car il y a eu le générique, ce n'est pas terminé. Déjà, on a pu faire quelque chose en non vidéo. C'est-à-dire qu'on a acheté des personnages, enfin un seul je crois en fait. On a acheté Lancer qui est là. C'est tout ce qu'on a acheté. Mais par contre, on a acheté Austin aussi. Et du coup, il y a une nouvelle technique entre Austin et Axel. Qui est le tir du tigre, si je dis pas de conneries. Et on a farmé aussi pour qu'il y ait une technique à 3 entre Xavier, Jude et Sean, qui est le Big Bang. Donc voilà, on a farmé ça. Si vous voulez voir ces genres de choses en non vidéo, parce que du coup je le fais pas en vidéo, ce genre de truc, c'est fait en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre. Alors, compétition, et du coup, nouvelle chose à faire, c'est que maintenant on doit gagner 3 matchs d'affilée pour arriver à la nouvelle phase 4, où c'est qu'il y a les Inazuma Girl, et qu'apparemment cette équipe, c'est un truc de malade mental comme elle est dure. Du coup, c'est parti, on commence ça, faut qu'on gagne 3 matchs d'affilée. Alors j'espère que vous êtes prêts, enfin moi j'espère que je suis prêt moi-même déjà. Et pour recruter, ouais je recruterai les 3 marques pour avoir Canon et Vans plus tard. Parce que là j'ai plus du tout d'argent en fait. Donc pour l'instant l'équipe qu'il faut c'est ça. Donc c'est vrai que quand j'ai Jou, il faudrait que je me rapproche du bas du terrain pour pouvoir... Ah même pas en fait, faudrait qu'avec Xavier je remonte à peu près là et que les gars ils me... Oh ça va être tendu quoi, mais... À moins que je fasse un peu mieux les choses. Et que je mette Jude ici. Et du coup, quand Xavier a la balle, il se met à peu près au milieu des deux. Et ça devrait le faire. Ou alors on fait un truc encore mieux. En fait. Je mets Sean ici. Xavier ici. Et Jude là. Du coup, là, on a moyen de faire un gros truc. Du coup, David, ouais, je pense qu'on va mettre... On va mettre Paolo à la place. Et voilà. Je pense là, on est bien, honnêtement. Et voilà. Allez hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti, le match contre la Royal Academy. Salut Izzy. Et à la mi-temps, ouais, je changerai pour Austin et Axel, on verra. On verra ce qu'on fait à la mi-temps. Donc là, les matchs risquent d'être un chouïa plus compliqué. C'est affligeant. Il faut garder leur rythme. Aucune équipe ne cède du terrain. Seule la victoire compte. Alors, qui est mon capitaine? J'en ai aucune idée. Oh merde! Oh, je l'avais! J'avais le Big Bang, fais chier. Oh, mais c'est incroyable, ça fait 2 fois que je l'ai. Et 2 fois, il me nique. Ballon illusoire! Oh là là, la défense est mise à mal! Allez! Non, pourquoi? Ils ont les mêmes stats qu'au début, je crois. Ah merde, ce serait un peu con ça. Ah merde, mais y a, en fait, le Jude, je croyais qu'il était avec moi. Aïe. Faut quand même pas faire massacrer pas par eux. Hein. C'est parti. C'est parti, Big Bang. Ce pourquoi on s'est entraîné. Ouf. On se tire. Incroyable. Wesh.
Je sais pas s'ils ont les mêmes stats, hein, parce que je crois pas qu'il avait staré avant. C'est à la Royal Academy d'engager. Allez, ok. Yep. Allez. Ah, lui il est fort normalement. C'est notre nouveau attaquant, Lancer. Non, ils ont pas les mêmes stats. Je crois pas qu'ils ont les mêmes stats du tout. Allez, c'est pour moi. Aspire, attaque. Quelle défense soudée. Hé, Gazelle, viens par ici. Je l'ai. Et allez, hop. Mort sauvage. En vrai, il est stylé de ouf, c'est vrai. Et c'est le but. Par contre, au niveau des ces points, ouais, ils ont un peu glow up, hein, je crois. C'est à la Royal Academy. Non, on va pas faire des dédicaces, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Ok. Si vous voulez, à la fin de l'épisode, à la limite, je mets l'écran de chat et vous direz au revoir à YouTube. Ah merde, j'ai cru que j'avais la chair. Ah, Inazuma Girl, non, ce sera pas sort. Hein. Allez. Oui. Je me suis surestimé. Allez, bataille de titan. Allez. Yep, tu ne passes pas, toi, mon petit pote. Libéré. C'est bon, j'arrête avec cette blague nulle. Il y a plein. Oh merde, mais les gens ils se sont barrés. Les deux équipes sont en avant. La première mi-temps est en train de s'achever. Sa popularité, arrête. Genre je suis populaire. Et arrête. Vous n'irez nulle part. Tacle de la mort. La défense soudée. Allez. En plus, à quoi ça sert? Ça sert à rien les dédicaces, en vrai. Il va se faire niquer là, il a plus de. Et c'est le but. L'écart se creuse, ça se fait invincible. C'est à la Royal Academy d'engager. Non, en vrai, on va les massacrer, je pense. ils ont clairement pas le même niveau que les ogres. Quoi. Quel talent incroyable. Ah, c'est les Stux. Oh merde. Allez, je l'ai. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais après, le problème, c'est que si j'accepte de faire des dédicaces comme ça, ça va être le bordel. C'est la fin de la première mi-temps. C'est pas pour être méchant et que je veux pas, c'est juste qu'après. Après, quand tout le monde en demande, c'est chiant. Shun est terrible comme perso, ouais. Moi, c'est mon perso préféré.
On va faire des remplacements du coup. Donc on avait dit que on va mettre Austin et Axel ici. Comme ça. Comme ça c'est bon. Et nous revoilà pour la seconde mi-temps. Comme ça on a dit, on a des joueurs pas trop fatigués. Il a du mal à charger des fois le jeu. Hop là, un petit big bang là. Ah merde. Mais il a décidé que. Tacle de la mort. Oh, lève-toi. C'est bien pour toi. Oh. C'est une domination sans partage. Ah non, enfin en plus j'avais appuyé pour faire le. Comment t'as fait pour avoir une Nazumé Eleven Ghost Strikers? Alors c'était une matière. Une manière pas très légale. C'était sur émulateur, sur. C'était sur émulateur tout simplement. Vous n'irez nulle part. Tacle de la mort! La défense est une véritable muraille. Ouais, c'est vrai pour une dédicace, ouais, c'est vrai. Mais après, ce que je peux faire, c'est que vraiment, si vous voulez. Si vous voulez voir votre pseudo en vidéo ou quoi que ce soit, je peux, quand je commence les vidéos, je peux mettre la visu, c'est qu'on voit le chat. Quoi. Ah oui, il a. Oh merde! Je l'avais vu. Je l'ai pas vu venir. Allez, resserrez la défense. Yep, Austin. C'est une domination sans partage. Et voilà, le tir du tigre. Oh aïe aïe. Ah, stylé hein. Stylé, stylé hein. C'est à la Royal Academy d'engager. Après du coup là il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est un peu con. Oulala, oulala, oulala. Manchot empereur. Manchot empereur numéro 1. Quelle frappe terrible. Trop stylé ce gardien, moi je l'aime bien. Après on verra pour ce canon Evans là, parce qu'apparemment il est très très fort. Mais faut recruter les 3 marques Evans apparemment. On verra ça. La merde, il est où Torushi. Trop facile, ce jeu est trop facile pour moi. Je suis vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Canon, il est attaquant. Ah merde, il est attaquant. Oh merde. Moi je croyais il était je croyais que c'était un gardien. Et le meilleur gardien du jeu, c'est qui? Non, je joue plus au 2013. C'est la première fois que je vois un tir pareil. Allez hop, le big bang là. Je vais avoir le karma avec Nazumaga. Ouais, je sens que je vais rager.
Tu peux avoir un perso secret en achetant deux fois le gardien de la Royal Academy. Ah oui. Le ballon finit sa course dans les filets. Il faut donner le meilleur de soi-même. C'est Elio et tu lui donnes des trucs pour améliorer et il passe. Donc en gros, si je vous écoute, si j'achète deux fois le gardien de la Royal Academy, je débloque un nouveau Elio. D'après vos dires. C'est une domination sans partage. Tu l'as en meilleur le gardien. Il l'a arrêté. Mais j'ai énervé. Allez. C'est pour moi. Énervé de ouf. Aspire, attaque. Non, le gardien de la Royal Academy. Après c'est vrai que le gardien de la Royal Academy est stylé aussi. Eh hey, gazelle. Je pars ici. Et gazelle. J'y vais. C'est une domination sans partage. Trop facile. Trop facile. Faute. Réponse sport tout de même. Le match reprend sur un coup de pied arrêté. Et la seconde mi-temps touche à sa fin. En avant, bâton, on va les écraser. Quel suspense. Wesh. Il faut rester. Vous n'irez nulle part. Genre il m'a stoppé lui. C'est impossible de jouer au foot, t'as vu sa tête. Vous ne marquerez pas. Tiens, on va marquer en fait. Oh non, il fait un vieux tir de loin là. T'as déjà le meilleur gardien, juste donne-lui des objets. Des objets, je crois, c'est des livres, ça augmente son niveau et arrive pour monter jusqu'à ce. Ah, jusqu'à S, ok. Putain, ma Céleste X, c'est la meilleure attaque. Enfin, la meilleure. Alors, c'est trop stylé. J'ai plus assez en fait. Mesdames et messieurs, les joueurs fatigués. Ce match était d'une rare intensité. Merci Charles, ça fait plaisir. C'était Chester Horse Junior. Merci. Deuxième match. Point Nazuma 220. C'est tout. Oh. Bah du coup là c'est revenu à la normale là. Du coup c'est parti. Ah oui non mais c'est revenu en mode nul là. Donc faut resélectionner les. Je sais même plus ce que je voulais faire. Ah oui c'était mettre Bianchi à la place de David. Il y avait Xavier ici. Sean. Bah là on peut le mettre là, on s'en fout. Bianchi, c'est bon nickel. Faudra qu'on fasse la formation bien pour que ça le fasse à tous les matchs quoi. Que le match commence. Allez. On se motive. Essaye de mettre Elio en attaque. Ah ouais mais non. J'ai envie de le laisser en gardien. C'est mon gardien. C'est le gardien de Kisekino Sedai. Il m'a volé la balle. Okay. La pente. Aucune équipe ne cède du terrain. Mais maintenant.
sais que Elio il a une technique de tir. Ouais, ouais, on me l'a dit. Big Bang. On est à bien. Arrête ça. En achetant le gardien de la Royal Academy et celui de Neo Japon, tu pourras recruter le gardien de la nouvelle Royal Academy. Faudrait que je regarde tout ça en profondeur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à... Enfin, il y a beaucoup de... Comment dire? Genre de différents trucs à faire pour débloquer de nouveaux personnages. Oh là, l'enflure. Éternel. Oh merde, non, je la mets pas là. Je sais pas pourquoi j'avais Blizzard éternel dans ma tête. Mais... Et c'est le but. Trop facile. Je vois pas qui peut me battre. C'est à Zeus d'engager. On est trop fort. Allez. Oula. À moi. Je deviens fou. Allez, c'est parti. Instant céleste. Ah ouais. Oui. Oh là là, la défense, okay. Mal. Okay. On est d'accord que là ils ont des trucs qu'ils avaient pas avant. C'est un pied céleste quoi. Pied céleste. Shit. Dès que tu achètes Gazelle et Torche en sélection mondiale. Ah parce que c'était pas les bons là que j'avais. Je sais pas du tout. Il y a des persos comme ça mais... Ah merde. Vraiment trop fan de Shaun Blizzard éternel. C'est Shaun Blizzard éternel. Oula. Et c'est une remise en touche. Shaun c'est le meilleur en même temps, t'as vu. Oh non. Charge de puissance. La défense est une véritable muraille. Faute. J'étais en face quand même. Allez, c'est pour moi. Non, mon petit pote. Je crois que t'as leur dernière version. Là, je crois que j'ai jamais utilisé Thor encore pour bloquer. Oh merde, en parlant de pied. Alors, il y a qui a une technique là? Merde, je voulais envoyer un. À Gazelle aussi. Les deux équipes semblent en pleine forme. C'est intelligent. Oh merde. Ah Thomas, il est fan de Paolo Bianchi. Leur défense est une véritable muraille. En même temps, c'est l'italien, je comprends. C'est normal. Et hop, Big Bang. Allez hop, ferme-la. Ferme-la et rentre dans le but. C'est à Zeus d'engager. Cette équipe va-t-elle tenir le rythme? Yep. Oula. Mamma mia. Mamma mia.
Incroyable. Je vais vous montrer. Putain, on est en train de les trouer. C'est arrêtable le bilan. Honnêtement, je pense pas. Mais on verra bien avec les autres équipes. Hein, mais s'il y a quelqu'un qui arrête le Big Bang, je crois que c'est énervé. Hein. C'est à Zeus d'engager. Wow. Ok. Je suis trop fort. En tout cas, c'est la même technique qu'il utilise. Ah, et hop, t'as vraiment cru t'aller passer, Helios. Meilleur c'est Steve. Arrêtez vos conneries. Hein. Meilleur c'est Steve. Non, moi je dis les meilleurs, c'est ceux de l'école primaire avec qui Marc joue dans l'épisode 1. C'est eux les meilleurs. Et hop, remplacement de Lancer. Les OST sont cool, hein. Mine de rien. Et nous revoilà pour la seconde mi-temps. Assisterons-nous à une remontée spectaculaire? Ah, ça, je sais pas s'il y aura une remontée spectaculaire, frérot. Mais... En tout cas, je reprends la balle. Défense soudée. En tout cas, là, on leur met cher. Ça, c'est sûr que... On pourrait faire jouer Darren. C'est bon, Darren, on l'a acheté. Terminé. Maintenant, il y a Helios. Darren, il a fait son temps. Et je dis ça, on va le recroiser dans une autre équipe. Il va nous mettre mal. Big Bang ou pas? Il est où, Sean? Les cieux sont avec nous. En fait, on a plus assez de points. Voilà. Allez. C'est une domination sans partage. Seule la victoire compte. Oula. On passe pas. Pour le fun, mais Helios en attaque et Darren au calme. Non, laissez Helios tranquille. Défense soudée. Resserrez la défense. Ils en ont pas marre alors que leur pied est là. Allez. Ah, le tir du tigre. Ah non, merde. On s'est fait remballer un peu. Il est déter, hein, Aphrodite. Savoir suprême. Non. C'est la première fois que tu vas rien faire. Hein. À moi. On va faire juste un petit tir comme ça là pour changer un peu.
coup j'ai... Non, j'ai pas débloqué le tir de Thor et Sean. On fera ça un autre jour. Quand je referai un live de Inazuma, on entraînera Thor et Sean. Le ballon finit sa course dans les filets. Et le 3, sensationnel. Je vois pas qui peut me battre. C'est à Zeus d'engager. Cette équipe va-t-elle tenir le rythme? Allez. Un petit tir de jaune. Oui, c'est pas le tir du tigre, c'est la tempête du tigre. Oui, c'est vrai, merde. C'est bon, c'est pareil. Il y a le mot tigre dedans. Cette équipe va-t-elle tenir le rythme? Ah, mais Inazuma Girl, c'est dans la phase 4. Là, on est dans la phase 1. Du coup, là, le combat final, ce sera pas. Ce sera pas une Inazuma Girl, quoi. Sean et Axel ont une super technique. Ah ouais, ça je savais même pas. Faudrait que je la débloque aussi. Le ballon finit sa course dans les filets. Inclinez-vous devant ma puissance. C'est à Zeus d'engager. Tu retardes l'inévitable. Certes, mais c'est. Je m'entraîne un peu du coup, tu vois. Yonexo. Tire du dentifrice. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle belle parade! Allez, c'est pour non. Moi. Non, tu passes pas en fait. Aspire, attaque! Leur défense est une véritable muraille. Un petit Big Bang ou pas? Merde, il était où Sean, il avait pas envie de venir. Ouf, oh, des bruitages stylés. Hein. Heureusement que les terrains ils se remettent droit quand c'est fini. Hein. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et c'est une remise en ça touche. Fait plaisir de te voir en live. Je te suis depuis l'époque One Piece avec Thomas Oli et Bankai. Bah, c'est moi que ça fait plaisir. Merci d'être venu. Voici les arrêts de jeu. On bosse pas. Charge de puissance. Wow. Allez. On repasse devant. C'est une position de hors-jeu. On a 7-0 quand même. Mesdames et messieurs, non, Inazuma Girl, ce sera pour un autre jour. Ce match était d'une rare intensité. C'est sûr que 7-0. Merci à tous. C'était voilà quoi. C'était vraiment d'une rare intensité. Hein. Aïe aïe aïe. Allez hop, le dernier match. Le dernier match de la soirée. Et la phase 4, ils sont boostés par rapport aux autres matchs. Oh, ça va être chaud. Hein.
Ça veut dire la phase 4, faut la faire d'une traite, quoi. Ça veut dire si on perd contre Inazuma Girl à la fin, ça veut dire qu'il faut tout refaire. Prépare-toi au match. Alors donc, on refait les remplacements parce que du coup, là, c'est un peu la merde. Et voilà. Ouais, il y a toujours des rediffs, Nexo. Tous les lives que je fais, c'est toujours en rediffusion. Enfin, tous les lives let's play, quoi, du moins. Parce que c'était hier, j'ai joué à Persona 5 et j'avais envie de liver, mais je savais pas si ça allait vous plaire. Du coup, au final, j'ai joué de mon côté. Mais si des petits lives posés comme ça, ça vous intéresse de temps en temps, j'en ferai. Et c'est le coup d'envoi de ce match. Préparez-vous à une rencontre de très haut niveau. Ici Chester Horse Junior pour un match. Bon, là, on est contre les ogres. Donc on rigole pas. Du terrain. Allez, c'est parti. Allez. Vamos. Allez. Ok. Vamos. Quelle belle parade. Concentration. Je dis plus rien. Personne ne peut m'arrêter. Ok. Parce que ils étaient très forts. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est ceux qu'on a battus dans l'épisode précédent tout à la fin. L'équipe ne cède du terrain. Je m'en charge. Je l'ai. Voilà. Ah, lui va faire son arrêt chelou encore là. Il va tout bloquer comme d'hab. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Allez. Vamos, j'y vais. Et hop, on t'arrête toi. Sumo écrasement. Leur défense est une véritable muraille. Paolo, tu nous as vendu du rêve la dernière fois. Ouais, j'ai déjà joué avec Sword. Ouais. Après, S4 League, je sais pas ce que c'est. Ah bah voilà. Paolo, c'est vraiment le. C'est vraiment le point faible de cette équipe, quoi. C'est à l'équipe des ogres d'engager. Allez. Hey. Les deux équipes sont en pleine forme. Ce ballon est à moi. Attention. Oh, l'enflure. Volcan circulaire. Oui. Leur défense okay. Est une véritable. Contre, il est dégueulasse. Hein. Faut tester le Big Bang contre lui hein, pour voir si ça passe. Mais je sais pas, j'ai une impression qu'il va l'arrêter. Une impression comme ça. Allez. C'est pour moi. Aspirateur. J'ai toujours l'impression qu'il dit aspirateur, c'est incroyable. Quelle défense soudée. Wesh. Allez. Allez. Par ici le ballon. Ouais, finalement, la merde. Quel match renversant. Ah, Xavier, il est là. Allez. 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 Arrêtez-le. Allez, mon petit Elio, on compte sur toi.
Alors. Ouais, mon petit pote. C'est toi le... Oh non. Oh, oh gros l'abus. Oh, c'est incroyable. Allez, allez. Wesh. C'est parti. Allez, allez. Mais ils sont où mes défenseurs là? Quelle bataille de titans! Allez. Oh merde, il a plus rien. Ah ouais, ok, ils se sont énervés là. Nexo, on se fera ça si tu veux un coup, ouais, mais pas maintenant, genre. Oh non, mais tu vas pas faire ça à l'autre bout de la map, quand même. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs! La première mi-temps est sur le point de s'achever. Je suis nul. C'est incroyable. L'arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Je m'en charge. Attention. Elles sont chaudes, hein. Charge de puissance. Défense soudée. Oh, oh. Oh, ils sont là. Oh, c'est bon, le Big Bang. Incroyable. C'est bon, on envoie tout. Voyons voir le moment de vérité. Ah ouais, il est chaud. En vrai, il est chaud de ouf. Allez, c'est pour moi. Aspire, attaque. Leur défense est une véritable muraille. Ogre, je comprends pas ce que tu dis. Arrêtez le... Arrêtez là. Attention. Putain, comme il est moche lui, je crois que c'est le perso le plus moche de tout Inazuma Eleven. Quoi. Il est horrible. Bon, la mi-temps là. Bon, j'envoie un dernier tir. L'épée d'Odin, en général, elle passe parce qu'il la sous-estime tout le temps, cette technique. Ah, putain, il l'a arrêté cette fois. Quelle belle parade! C'est la fin de la première mi-temps. Bon, chaud, hein. Quand même. Alors. Remplacement. On va remplacer Bianchi avec Austin et Axel avec Lancer. Et voilà. Du coup, le reste, ils vont devoir résister. C'est vrai qu'on manque de remplaçants, quoi. Parce que là, c'est vrai que on enchaîne les trucs depuis tout à l'heure. Ils doivent être un peu fatigués. Pas touche. Hey, les deux équipes semblent en pleine forme. Vous ne marquerez pas. Hey. Hmm. C'est parti. T'as moi qui voulais activer le la furie là. Gravité. Il est bien fait de pas l'activer. Quelle défense soudée. Maintenant. Vous allez voir. Ah oh, quel con. Arrêtez-le. Inazuma Eleven, il y aura un épisode, pas demain, mais après-demain. Ah, je peux pas faire le... Oh merde. Mince,
Aïe aïe aïe. Et c'est le but. Catastrophe. Mon goal, il est décédé. Génial. Il me faut un autre gardien. Merde. Ah là, je suis dans la merde là. Je peux pas changer de gardien maintenant là. Aïe 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 aïe. Ouais, il faut Darren, je sais, mais le problème c'est que je sais pas comment. Aucune équipe ne cède du terrain. Je l'ai. Faut épuiser le ghoul. Allez, passe, s'il te plaît. Je t'en supplie. Oh pute. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Faut que je la remette en. Allez, allez, rattrape-le. C'est ah, c'est moi. Ah, sur le bouton moins. Ouais, je vais le faire. Oh, je suis en stress. Stress de ouf. Leur défense est une véritable muraille. Attends, vite, je vais en touche. Et c'est une remise en touche. Ouloulouloulou. Tactique. Remplacement. Darren va à la place de Helio. On demande un remplacement. L'équipe pourra-t-elle sortir de l'impasse? Hey. Faute. Restons sport tout de même. Position intéressante pour tendu. Un quelle action! C'est parti! Il faut persévérer! Mais il y a l'autre à côté là! Ouais, c'était sûr! Aucune équipe ne cède du terrain! Sumo écrasement! Leur défense est une véritable muraille! Non! Le gros, il est chiant lui! Mais bon. Sport tout de même. Le match reprend sur un coup de pied arrêté. J'y vais. Allez. Et voilà. Ça va être chaud. Ça va être plus chaud que ce que je pensais. Cette équipe est invincible. Quel bel arrêt du gardien. C'est bien d'arène. Il n'y a pas Axel plus loin là. Oh non! Les jeux sur des, j'ai regardé et. Enfin, je pense pas que je vais aimer, du coup. Du coup, je les ferai pas, je pense. Allez, en avant! Xavier, compte sur toi. Oh non! Aucune équipe ne cède du terrain! Ok! Oui, mais non, là, ils sont trop loin! A l'aide! Oh putain! Allez, s'il te plaît, Darren. Darren. Darren, le vrai. Faut épuiser le gardien, faut l'épuiser. Il n'a pas pris de risque, hein. Putain, il a récupéré des points, hein. Oi, oi. Allez, j'y vais. Laisse-moi, oui. Oh, l'enflure. Allez, j'y vais. Allez, c'est pour moi. Aspire, attaque. Et la seconde mi-temps touche à sa fin. Il nous faudra des prolongations pour départager ces deux équipes. Allez. La tempête du tigre. Ah oh, putain. Ok.
Tu passes pas, mon gars. Mur de fer. Ouais, il faut que j'achète le nouveau Darren pour la main du colosse. Ah, c'est pas vrai. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. C'est parti. Allez. Hey. Nous entrons bientôt dans les arrêts de jeu. Allez. 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 Allez, c'est la dernière chance. Fais un arrêt nul, s'il te plaît. Oh putain, l'enfoiré. Hein. Et il a repris tous ses points. Hein. Oi, oi. Je l'ai pas vu venir. C'est déjà la fin du temps réglementaire. Si le score reste à égalité, il faudra jouer les prolongations. Du coup, vous pensez que Helios il a récupéré des points là ou pas? Point technique. Attendez. Ah non, il est mort, il est décédé. Lancer, il a 120, 124, donc ça c'est bon. Par contre, c'est chaud. Ouais, faut rester comme ça. Ah, si on perd, la déception. Nous approchons maintenant des prolongations. Qui va l'emporter? Tous les regards sont rivés sur le terrain. Ah oui, il fallait donner un... Ah ouais, quel con. Allez, on enchaîne. On envoie tout ce qu'on a. Absolument tout. Impact nordique. Quelle frappe terrible. Piège électrique. Oh, il est passé. Incroyable. Incroyable. Je suis vraiment trop fort. C'est à l'équipe. Il m'a pris pour un nul. Cette équipe va-t-elle tenir le rythme? Hey. Hey. Ah, c'est pas trop tôt. Allez. Faute. Restons sport tout de même. Le match reprend sur un coup de pied arrêté. J'y vais. Ah, je suis chaud. Tu passes pas toi. Toi t'es dangereux, tu passes pas. C'est bon, écrasement. Faudra vraiment qu'on achète un deuxième gardien, con. Genre le Darren ne m'énerver là. Sumo écrasement. Oh bah là il l'arrêtera jamais, wesh. Pas abusé. Hein. Wesh. C'est quoi ça? Allez. Tu vas me dire, il a attaqué. Enfin, il a. Oh, je l'ai. Oh merde! Ce que je viens de faire. Et voilà, je me fais niquer. Ah, Darren, je le kiffe, mais là, à mon avis, c'est mort. Il arrêtera jamais ça. Eh oui. Ah, c'est tendu de ouf. Et c'est le coup d'envoi. Comment vont-ils attaquer? En fait, ça se trouve, faut plus que je mise sur des vieilles frappes level 3 là, mais de loin parce qu'il les sous-estime. Oh merde, allez, fais chier. C'est parti. J'ai commencé à lâcher des gros mots. Aucune équipe ne sert du terrain.
Allez. Big Bang. Quel talent incroyable. Je me suis entraîné une demi-heure tout à l'heure pour faire cette technique. Je ne dis pas que tu l'aurais pas encore. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Oh non, pas lui. Putain, que sa vieille tête aussi là, c'est incroyable. Il me dégoûte quand même. Circulaire. Leur défense est une véritable muraille. Ok. J'y vais. Voici les arrêts de jeu. Seule la victoire. Aïe aïe aïe. Et si on va au tir au but, je sais même pas comment on fait, hein. Ça va être tendu. Hein. Leur défense est une véritable muraille. Allez, c'est parti. Allez, c'est pour moi. Aspire, attaque. Quelle défense soudée. C'est la fin de la première partie des prolongations. Aïe, aïe, aïe. Oh, comment c'est tendu là, c'est incroyable. Hein. Et si je perds, j'ai le démon. Ouais, on va faire rentrer Paolo. Hein. Paolo le... Après ça dépend. Parce que Paolo il a quoi? Déjà on m'a dit on peut pas donner des... Hein, Paolo il a que 69. Hein. Il est mort Paolo. Paolo est décédé. Je peux pas le mettre. Sont tous crevés en fait. Ah, utiliser objet. Rend tous les pétés. Mais attends, faut que je mette remplacement. Je mets Elio. Barre vitaminée. Tous ces points au moins niveau gardien et ouais faut changer les deux là en fait remplacement ici on remet Bianchi avec Lancer utiliser objet barre vitaminée à Bianchi merde. Et restaure les pétés et montage de l'éclair de 50%. Bah on va mettre. On va mettre ça à Lancer. Et on est parti. Ah merde, j'ai pas regardé le con. Elle prenait combien de pétés là, la barre de. La seconde partie des prolongations va commencer. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Ça s'est arrêté. Cet arrêt il est incroyable, hein. Il n'y a rien qui passe. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs! Allez! Oui. Travail, pas vrai? Je m'en charge! Allez! Aucune équipe ne cède du terrain! Allez! Ok! Allez! J'y vais! Ok! Allez! Non, 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 non! Oh. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais là vraiment, la concentration est à son paroxysme. On arrête. Ça
ça, ça devrait être arrêté. L'arrêt est présent. Je fais l'arrêt du gardien, mesdames et messieurs. C'est parti. Mon char, je l'ai. Ouf. Heureusement, là, j'étais pas loin de... C'est pété, ils descendent. J'ai tout vu. Allez, 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 faire des passes. On peut y arriver. Simplement, faut enchaîner. Ah putain. Ah non. Allez. Aucune équipe ne cède du terrain. Oh non. Ok. Ouais. Non, ok. Aucune équipe ne cède du terrain. Allez, c'est le moment, c'est le moment. Ah merde, je suis trop con. Allez, j'y vais. Aucune équipe ne s'est déterminée. Allez. Arrêtez là. Rifle explosé. Cette équipe est en vrai. Quelle belle parade. Et c'est le oh merde, ça va être les tirs au but. Oh. Je sais même pas comment on fait, je vais faire n'importe quoi. J'ai jamais fait de tir au but, ça va être de la merde. Place au tir au but. Chaque équipe choisit ses tireurs. Bah apparemment ouais, il y a des tirs au but. Ah ça sent la défaite hein, ça va être une catastrophe. Attends, commande. Tir puissant, tir amorti et visé. À l'aide. Le ballon finit sa course dans les filaires. Le talent c'est inné. On a ta gueule, ouais. Bon allez. Le ballon finit sa course dans les filaires. La but. Inclinez-vous. On va essayer de rester au milieu. Faut qu'on reste au milieu. Allez à gauche. Le ballon finit sa course dans les filets. Je suis inimitable. On va rester au milieu. Je suis sûr que si on reste au milieu, on va forcément en arrêter un. Voilà, voilà, c'est ça qu'on voulait. Là, on va aller à droite. Oh l'enfant. Oh putain, je suis dégoûté. Faut qu'on reste au milieu. Le milieu, c'est la base. Quelle belle parade. Aucune équipe ne prend l'avantage.
c'est dedans. Là, je reste au milieu, ça passe. Et je suis bien. Faut rester au milieu. Le milieu, c'est la base. Oui. La victoire était très dure. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Incroyable. Aïe, aïe, oh merde. Comme il était tendu ce match, c'est un truc de ouf. N'était pas trop mal. Et je suis en stress là. Le stress il redescend pas en fait. Nouveaux objets. Manuel vitesse, manuel pété, bombo tonus. Point Inazuma, 4280 points. Aïe, aïe, aïe. Là on en a gagné taquet. Hein. J'ai jamais vu une séance de tir au but dans le jeu. Bah, tu pourras plus dire ça pour le coup. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est la fin de l'épisode. Donc, on va attendre s'il n'y a pas les autres trucs. Pas mal, tout autre résultat, comme on dit à chaque fois. Ne pensez qu'à la victoire, c'est compris. Du coup, voilà. Donc, la phase 1, on a la fameuse... le fameux trophée. Fameux trophée platine, on va dire ça. En tout cas, on a beaucoup de points. Pour le prochain épisode, on pourra évidemment... dans le prochain épisode, en fait, on pourra acheter des nouveaux joueurs, etc. Et du coup, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur le Discord de la chaîne aussi, également. C'est dans la description. Et à me rejoindre sur Twitch, là où je fais tous les let's play en live. Et à rejoindre les personnes qui stressent avec moi en ce moment. Donc normalement, je sais pas si le chat il bug encore. Non, voilà, il y a le chat qui s'affiche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ces personnes qui sont là. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Donc putain, en fait, je suis. La vidéo était longue, la vidéo était très longue, mais je suis tellement stressé là, c'est un truc de ouf. donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez tenu jusqu'au bout, franchement, GG à vous. Merci à Paolo, les MVP, merci, je sais pas, je suis perdu, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et voilà, bonne soirée, ciao ciao.